Alors bonjour tout le monde, donc je fais vite fait l'intro parce que là on est le 8ème épisode de Tomb Raider et on est en pleine action au 7ème épisode et du coup j'ai pas pu faire autrement parce que sinon la vidéo aurait duré 40 minutes quoi, donc voilà. Donc j'espère que ça vous dérange pas trop. Donc voilà, on est en train d'échapper aux personnes qui nous veulent du mal. Parce que Ross il pouvait plus. T'es sûr de vouloir faire ça? Voilà. Ah voilà. Je vais revenir. C'est promis. Donc voilà, voilà où. Allez, ça va aller, Lara. Ah, c'est un peu glauque quand même. Je sais pas où elle est partie, mais allez, avance. Ah, je me sentirais étouffée dans ce truc, sérieux. Je sais pas vous, mais il y a des crânes de partout. Sauver les membres de l'endurance capturés. Cinématique time. Dans l'autre monde, vous n'êtes rien. Mais ici, nous sommes les Solari, les enfants de la Reine Solaire. Elle nous a amenés ici pour une raison. Je sais que vous aspirez à être libre. Je sais que vous voulez quitter cet endroit. Mais pour y parvenir, nous devons libérer notre reine. Comme nous, elle est prisonnière. C'est en la libérant que nous nous libérerons. Cette fille, le sang de cette île... Je vais le niquer. Elle est peut-être la clé. Le rituel des flammes va nous montrer la vérité. Oh, comment elle regarde trop bizarre, Lara, c'est énorme. Allez, bouge. Tu as tué notre frère. Maintenant, je vais te tuer. Non, t'as pas l'air de me tuer. Mes armes. Ou une traîne comme une pauvre chèvre. Je sais pas pourquoi une chèvre, mais c'est pas grave. Toutes les créatures du monde font face et se battent dès que leur vie est en danger. Je ne désapprouve pas cette réaction, jeune fille. Je fais seulement ça depuis beaucoup plus longtemps que toi. Préparez-vous, mes frères! Notre reine va bientôt nous parler! Parle-nous, Himiko! Ça va pas marcher, votre truc! Alléluia, il pleut! Are you fucking... Emmenez-la dans la salle du trône. Are you kidding me? Tu vas voir, je vais me barrer là, connard. Oh, il m'énerve lui. Il a fait en mode, je suis tout gentil au début et après, hein. Je vais te niquer par derrière. Voilà. Ah, j'y remets. Sans le voir.
What the fuck? Je suis dans un bain de sang. C'est tellement, mais tellement bien. Ça va être l'épisode gore aujourd'hui. Bouge ton cul aussi. C'est de la folie. Cet endroit n'est que pur. Alors. C'est quoi ces cages et ces rats? Nye. J'espère ne pas me faire défoncer comme ça. Rassurez-moi, s'il vous plaît. J'ai peur. Chicolas. Mais si je fais YOLO? Oui, ben casse-toi aussi. Moi je me casse, hein, je suis désolée. Je n'ai pas confiance en ces personnes. Je flippe ma race. Je peux pas. Je joue des échecs et tout. Attendez, parce que là.
Ah, mais en fait, il faut peut-être que je monte, en fait. Attendez. Hop. En fait, y a rien. C'est juste pour la petite sauvegarde de camp. Allez. Par contre, je fais quoi avec ça? Ah, faut que je monte dessus. D'accord, j'avais pas compris. C'est... à moitié défoncé là. Alors là, j'ai flippé, hein, quand même. Une sorte de récipient. Mais qui les a laissés ici? Écoute, je ne sais pas, moi. Non, mais en fait, ça sert à rien, ça. Ok, d'accord. Ah, j'avais pas vu. Allez. J'avais pas vu qu'il y avait des piliers là. Pour utiliser mon piolet. Tout court. Ouais. Se calmer, Lusque. Qui gronde la nuit. Nous sommes tes enfants et nous attendons le jour où tu nous éclaireras, où tu nous guideras. Désormais, vous êtes des solaris, mes frères. Priez, chantez les louanges de la reine solaire. Alors là, je les ai défoncés comme je sais pas quoi, là, c'est... Même pas prononçable. Ça fait quoi en fait ce que je viens de faire là? Ça sert à rien, on est d'accord. Je comprends pas. Ah oui. Oh, le ralenti de fou. Allez, on y va, on y va, on y va. Ça défonce tout là. Non. Il y avait la lumière.
Attendez, il y a un changement. Quoi, j'ai rien compris ce qui s'est passé là. J'ai rien compris. Non, j'ai rien compris. Mais ouais, mais en même temps, j'ai pas le... Je sais pas trop si c'est ça que je dois faire en fait. Il faut peut-être que j'avance alors. On va tester, je suis désolée. Je vais peut-être couper si j'arrive pas jusqu'à y arriver quoi. En fait, il fallait avancer. C'est ça, continue, fils de pute. Tu vas voir, tu vas adorer quand je te planterai une de ces flèches dans le cul. On a une quel caractère. Ah, non, j'ai besoin d'aide. Bon sang, non. Ah, en avant. Comment t'es arrivé jusqu'ici? On m'a aidé. Grim? Oui. Il s'en est pas sorti. Merde. Je le croyais invulnérable, ce type. Il s'est pas laissé faire. Il m'a permis d'arriver jusqu'à vous. Un hélicoptère de sauvetage est en route. Sam est enfermé ailleurs. Vous avez des nouvelles de Whitman? Visiblement, il n'est pas dans la chambre d'amis. Monsieur Chobiz a dû réussir à se faire surclasser. On le trouvera. Et Sam aussi. Mais il faut déjà qu'on sorte de là. Je vais trouver pas une con. Solution. Allez, faut essayer de desserrer ça. Allez les gars, encore un coup. Ok, attention. Saute. Ça sert à rien, Reyes. Bon bah écoutez, les gens, on va se laisser là et on verra la prochaine fois pour les libérer. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère à bientôt et puis bye bye. Oui, on dirait bien.